À la une de l'actualité ce soir, le Conseil de sécurité de l'ONU se préoccupe de la situation sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso. Une de ses délégations était en séjour dans le pays ces 24 heures et a réaffirmé son soutien au pays dans ses efforts pour endiguer l'extrémisme violent et pour la stabilisation du Burkina Faso. Comment ce soutien va-t-il se traduire? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, l'exploitation semi-mécanisée de l'or au Burkina n'est pas sans conséquences sur l'environnement et la société. L'orpaillage a en effet attiré, mais sa rentabilité demeure faible du fait de l'inorganisation du secteur. Le ministère des Mines et Carrières veut donc promouvoir un artisanat minier responsable et porteur de développement. Des détails à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, après un tir de roquette, Israël déclenche des frappes sur Gaza. Des objectifs ont été ainsi frappés en différents endroits de l'enclave palestinienne sous blocus coincée entre Israël, Égypte et la Méditerranée. Comme vous le verrez dans ce journal, ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. En visite de travail au Burkina Faso, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sont venus évaluer la situation sécuritaire dans le pays, mais aussi humanitaire, et explorer les pistes de solutions dans le but de prévenir la déstabilisation du Burkina Faso. Ils ont pu ainsi rencontrer les membres du gouvernement burkinabé, mais aussi le président du Faso, Roger Bembamba, Ismaël Diloma Sirima, pour le point. Après une journée de travail avec les OSC et les membres du gouvernement, les représentants des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont reçus par le président du Faso. Ils sont revenus sur les défis sécuritaires du Burkina Faso et aussi sur l'arrangement technique entre la mission des Nations Unies au Mali et le G5 Sahel. C'est-à-dire qu'on permet à la MINUSMA de pouvoir appuyer sur le plan logistique, sur le plan opérationnel, la force conjointe du G5 Sahel par le volet du transport, par le volet de la fourniture des rations alimentaires, la fourniture des carburants, ainsi de suite. Donc c'est des appuis à ce que la force conjointe soit pleinement opérationnelle sur le terrain. Cette coopération se limite dans l'espace du territoire malien et les pays du G5 Sahel souhaitent le voir s'étendre sur les autres pays. Le Conseil de sécurité a fait part de son intention de rediscuter du soutien international à la force une fois que celle-ci serait opérationnelle et que des premiers résultats seraient obtenus. Nous y sommes et Monsieur le ministre, vous présiderez dans quelques jours avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, une rencontre à New York sur ce sujet le 28 mars pour voir comment précisément aller de l'avant de manière très concrète. Et on sait tous que l'accord technique qui relie l'Union européenne, la force du G5 Sahel et la MINUSMA peut et doit sans doute être amélioré. Les représentants des 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont également soucieux du volet développement. Sur cette question, ils invitent les autorités burkinabées à lutter davantage contre la corruption et aussi à barrer la route à la pauvreté. Et pendant ce temps, des experts évaluent ce que les pays du G5 Sahel reçoivent comme appui financier des bailleurs de fonds. Les fonds promis ont-ils été décaissés? La réflexion se mène donc à Ouagadougou autour du flux financier sur les transactions. Explication, Jean Zongo Moumounissouvega. Espace de réflexion et d'analyse, la GSAL veut jouer un rôle de suivi des flux de financement des actions de développement des États membres du G5 Sahel. Elle compte ainsi apporter son expertise technique pour accompagner ces États dans la gestion des flux financiers. Vous entendez chaque fois, le ministre des Finances a signé une convention, et la Banque mondiale a donné tant de millions de dollars. Mais les 5 pays du G5 Sahel, plus la Côte d'Ivoire, nous avons fait un exercice pendant 7 mois pour que chaque pays dise qu'est-ce qu'il a reçu de chaque bailleur de fonds sur une période de 5 ans. Et nous sommes allés voir les bailleurs de fonds parce qu'eux, ils ont leurs chiffres à l'OCDE qui publie chaque année les chiffres que les bailleurs de fonds disent qu'ils donnent aux pays. Maintenant, nous voulons confronter les chiffres que les pays disent. Est-ce que les pays ont reçu ce que les bailleurs de fonds ont dit? S'ils ont reçu, comment ça a été utilisé? À cette rencontre, il est question de présenter la GSAL les actions déjà menées et les propositions de solutions en matière de résolution de la question sécuritaire dans le Sahel. Le Burkina Faso ne ménagera donc aucun effort
pour continuer à apporter son soutien à la chaire Sahel, pour la conforter dans son rôle de conseil aux différents pays membres du G5 Sahel. Dans le cadre du G5 Sahel, il y a des promesses de financement pour le développement. Rien que pour 2019-2021, c'est 2,4 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent. Ce sont des promesses. Il faut les faire entrer. La chaire Sahel est une structure indépendante. À l'issue de cette rencontre, les membres de la chaire et les experts participants promettent des recommandations aux États membres pour sécuriser la zone et assurer un développement durable au profit des populations. C'est fini à New York pour la 63e commission des Nations Unies sur les conditions des femmes. Le Burkina Faso, qui a pris part activement à cette rencontre, en revient satisfait des conclusions. La conviction générale qui se dégage est que l'égalité entre les hommes et les femmes ne se donnera pas et que seule la lutte pourra faire bouger les lignes. Lassina Ouattara, Zalissa Sanfo. La 63e commission des Nations Unies sur les conditions de la femme referme ici ses portes avec l'adoption du rapport général. Et le bilan qui est fait ici est mitigé. Des batailles ont été gagnées depuis la création de cette commission en 1946. Côté politique, les indicateurs ne sont certes pas ouverts, mais la commission salue tout de même le fait qu'aujourd'hui dans le monde, un ministre sur cinq est une femme. Autonomisation, éducation, là aussi il y a de quoi se féliciter. Violence domestique et conjugale. La commission retient ici que la loi du silence se brise lentement, mais sûrement. Des acquis certes, mais l'on est loin du compte de la déclaration de Beijing qui définit le monde meilleur pour les femmes. Alors, des recommandations ont été faites ici à chaque pays d'accélérer les actions pour combler les écarts et favoriser la pleine jouissance des droits des femmes au niveau politique, économique et social. Et ça sera fait, je n'en doute point. Ces conclusions ont pris en compte l'entièreté des besoins de l'Afrique, puisque nous étions rencontrés au Caire en début février, où on avait arrêté une position commune de l'Afrique, position commune qui a été défendue ici à New York et par bonheur, tous ces points qui ont été adoptés au Caire ont été pris en compte. Donc nous pouvons dire que le Burkina n'est pas satisfait. Satisfaction du Burkina Faso par rapport à la déclaration finale. Ce qui n'est pas le cas d'autres pays comme le Bahreïn et l'Arabie Saoudite qui n'approuvent pas toutes les décisions sur la santé sexuelle et reproductive. Des conclusions, des résolutions. Mais cette 63e commission des Nations Unies sur les conditions de la femme s'achève surtout avec la formule magique de Martin Luther King. Formation de l'Assemblée nationale au profit des journalistes sur le thème modalité d'adoption de la Constitution burkinabé, création d'un réseau de journalistes et communicateurs spécialistes des questions parlementaires. L'objectif étant de permettre aux journalistes et des communicateurs de s'outiller pour un traitement efficient de l'information parlementaire. Roger Kam, Kadisanougo. Le langage, les débats, l'organisation et les procédures parlementaires sont autant de sujets sur lesquels les députés travaillent et qui sont complexes pour les non-initiés. C'est fort de ce constat que la direction des médias de l'Assemblée nationale a initié une formation sur les questions parlementaires au profit des professionnels des médias du Burkina. L'objectif visé par cette session de formation est de renforcer les capacités des journalistes sur la couverture de l'actualité parlementaire et du traitement de l'information. Il s'agit de leur donner les rudiments nécessaires pour traiter des questions relatives à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un premier objectif. Il s'agit également d'échanger sur les modalités du vote de la nouvelle constitution, la future constitution que nous avons, d'échanger et que les journalistes apportent également leur point de vue sur le débat qui est en cours en ce moment. Plusieurs modules seront dispensés aux journalistes au cours de cette formation. On verra
comment travaille le Parlement, quelles sont les compétences, quelles sont les procédures, puisque l'objet est d'éclairer les journalistes pour qu'ils puissent couvrir avec efficience et efficacité le travail parlementaire. Donc, le journaliste devient un instrument incontournable de la crédibilité de la démocratie. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la démocratie au Burkina du Centre parlementaire canadien. C'est également une opportunité pour les participants de mettre en place un réseau de journalistes et communicateurs spécialistes des questions parlementaires. Et puis les nouvelles du procès du putsch manqué au Burkina Faso, les rapports d'expertise téléphonique fortement contestés par les avocats de la défense ce matin au tribunal militaire. Mais le parquet vole au secours de l'expert Younoussa Sanfo en fournissant au juge des relevés téléphoniques. Zoubaviel David Dabiré. Un rapport d'expertise téléphonique, plusieurs grilles de lecture, le travail de l'expert Younoussa Sanfo divise les parties au procès. Et pour convaincre les juges de la pertinence de son contenu, le parquet militaire soumet depuis ce matin un pan des relevés téléphoniques de certains accusés obtenus auprès des opérateurs de téléphonie mobile de la place. Selon le parquetier, ces relevés téléphoniques corroborent le rapport d'expertise réalisé à partir de téléphones portables des accusés. Mieux précise le parquetier, il dévoile les mensonges entretenus par certains accusés à la barre. Le parquet militaire prend l'exemple de Adama Ouédraogo Damis qui déclarait à la barre n'avoir appelé le général Djindjiré que dans la soirée du 16 septembre 2015. Pourtant, selon le relevé téléphonique de l'accusé poursuit le parquet, les communications entre Damis et le général Djindjiré ont débuté le 16 septembre 2015 aux environs de 12h et ce jusqu'au petit matin du 17 septembre 2015. Ils ont interagi tout l'après-midi, même au moment de l'arrestation des autorités, s'indigne le parquetier qui indique que le bâtonnier Traoré Mamadou, poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État dans cette affaire, aurait également menti lors de sa déposition. L'accusé dit s'être rendu au Kanaba comme 2 dans la nuit du 7 septembre 2015 sur instruction du président Macky Sall. À l'analyse de son relevé d'appel téléphonique, aucune trace d'appel entre le bâtonnier et le président sénégalais, mentionne le parquet militaire. Pour les avocats des parties civiles, avec la présentation de cette pièce, la défense se rend compte que les carottes sont cuites. Et pourtant, selon Maître Moussa Koulibaly, l'avocat du bâtonnier Traoré Mamadou, le parquet militaire n'a aucune prérogative pour produire cette pièce. L'auxiliaire de justice précise que seul le président du tribunal peut le faire au regard de son pouvoir discrétionnaire. Maître Moussa Koulibaly refuse donc d'opiner sur la pièce. La suite de l'audience, c'est la diffusion d'éléments audio attribués au général Gilbert Djindjiré, surnommé Delta. Dans ses enregistrements réalisés lors des événements selon le parquet militaire, Delta est resté en contact téléphonique avec le général Djibril Bassolé, Romaric Yen, le colonel Abdul Karim Traoré et surtout Djeri Maïga, le chef de la rébellion malienne qui le rassurait de ce qu'un soutien serait stationné à la frontière et prêt à intervenir si le général le souhaitait. C'est un appel qui date du 23 septembre 2015, précise le parquet militaire. Appelé à la barre, le général Gilbert Djindjiré dit s'en tenir à ses déclarations antérieures concernant les écoutes téléphoniques. Pour le parquet militaire, c'est un élément qui ne doit plus faire douter les sceptiques. Les avocats du général, eux, dénoncent une interprétation tendancieuse que le parquet militaire et les avocats des parties civiles font de la conversation entre Djeri Maïga et le général Djindjiré. L'audience reprend demain à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Le CADTM est un réseau international qui lutte depuis 30 ans pour l'abolition des dettes illégitimes afin de favoriser l'émancipation des peuples et la mise en place d'alternatives socialement et écologiquement soutenables. Le comité pour le Burkina Faso organise une formation pour ses membres. Le but visé est de les aider pour le plaidoyer. Yacouba Gamine, Aimé Solange Guigman. Les acteurs de la société civile s'informent ici sur les dettes illégitimes, leur impact sur les droits humains au Burkina et les alternatives. L'initiative est du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, CADTM. Il entend renforcer leur capacité d'analyse, de critique et de plaidoyer sur la thématique. Et cela passe par la définition des concepts. Elle est illégitime lorsqu'elle a été contractée mais n'a pas servi l'intérêt général. Et donc celle qui a fait l'objet de corruption ou de détournement, donc on ne peut pas rembourser cette dette-là. Au-delà de la dette illégitime, il y a également la dette illégale. Et une dette illégale,
est une dette qui a été contractée sans respecter les lois et les constitutions du pays concerné. Et sans respecter également l'accord de prêt qui a été convenu entre le gouvernement et les créanciers. Les acteurs de la société civile auront également passé en revue les structures de la dette extérieure et intérieure publique, mais également à interpeller les élus nationaux sur la question. Vous savez que tous les accords de prêt sont votés au niveau du Parlement aujourd'hui. Et donc il est important que nos députés cherchent réellement ceux qui se cachent derrière cette dette-là et de les amener à poser la question de la dette dans les activités parlementaires, mais aussi avoir l'engagement des parlementaires favorables à aller dans un audit de la dette du Burkina Faso aujourd'hui et d'annuler purement et simplement celles qui n'ont pas bénéficié au peuple, aux citoyens. Pour le CADTM, la dette publique absorbe plus de 50% des recettes budgétaires de l'État, d'où l'interpellation pour son annulation totale. Un mot de démocratie et de diplomatie avant de poursuivre. L'ambassadeur de l'Allemagne auprès du Burkina Faso vient d'être reçu par le Premier ministre. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur des questions liées à la sécurité et la situation sécuritaire au Burkina Faso, dont l'Allemagne salue les efforts des autorités burkinabais et tient à affirmer son accompagnement. On fait le point avec Vincent Tiendrebeau. C'est un entretien qui se présente comme une prise de contact entre le Premier ministre et l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Burkina Faso. Et parmi les sujets abordés figure la situation sécuritaire nationale. Avec la dégradation de la situation de sécurité, je crois aussi à Berlin, on est très inquiet de cette dégradation et on aime bien d'exprimer sa solidarité pour aussi assister Burkina dans cette situation difficile et cruciale de matière sécuritaire, mais aussi de développement. On a parlé vraiment sur la connexion entre les deux, et spécialement dans les zones qui sont très touchées par la menace de terrorisme. L'ambassadeur Herbert évoque les bonnes relations entre le Burkina Faso et son pays, l'Allemagne qui partage les préoccupations des Burkinabés face aux multiples menaces. Yamba, une commune de l'est du Burkina Faso où il est difficile de voir des cas de défécation en plein air grâce aux actions de sensibilisation d'un projet piloté par l'ONG SNV, 9 des 25 villages de la commune sont déclarés FEDAL, la fin de défécation à l'air libre. Plusieurs approches ont été mises en œuvre pour favoriser la responsabilisation des communautés et leur prise en main du processus de changement de comportement. Ibrahim Sanou nous en dit un peu plus. L'Organisation néerlandaise de développement SNV enregistre des résultats satisfaisants dans la commune de Yamba. 18 villages sur 25 sont déclarés fin de défécation à l'air libre, FEDAL. Néanmoins, des défis restent à relever. Il y a de la satisfaction, mais c'est aussi de l'espoir. Parce que quand on dit les maladies liées à l'eau, ça ne connaît pas un tel à de latrine. Je ne vais pas là-bas. La mouche ne reconnaît pas qui a une latrine. Et les animaux aussi qui se baladent ne connaissent pas qui a une latrine. Ça veut dire que c'est un problème de santé publique. Si nous voulons avoir des bénéfices globaux, il faudrait que toutes les concessions, tous les villages soient dans la dynamique. Toute chose qui amène le conseil municipal à s'engager pour l'atteinte de l'objectif global du projet Yamba FEDAL d'ici à mai 2019. Déjà, nous avons 18 villages qui sont déclarés FEDAL. Il y en a même 9 qui sont certifiés. Il ne reste que 7 villages qui viennent donc d'être déclenchés. Dans ce processus-là, il fallait qu'on accompagne les communautés avec une certaine volonté politique, un accompagnement politique, d'où cet engagement-là. Ce matin, a fait de la commune de Yamba une commune FEDAL. Cette rencontre fut également une occasion pour les acteurs de visiter des latrines dans le village de Tambouangou, une localité jugée non FEDAL, pourtant déclenchée il y a 3 ans.
Dans l'actualité ce soir, le ministère des Mines et Carrières évalue à Kourougou l'impact de l'exploitation semi-mécanisée de l'or au Burkina Faso. L'orpaillage génère environ 10 tonnes d'or par an dans le pays, mais ses conséquences sont énormes sur l'environnement et la société. Une production qui échappe également au fisc. Maintenant, que faire pour aider à mieux structurer le secteur? La réflexion est lancée depuis Kourougou et le département des Oumarou Idani compte y trouver des solutions. Compte rendu, Oscar Soulama Draman Dadia. Ici, un triste décor après le passage des orpailleurs. Et là, des enfants orpailleurs pour la plupart des élèves en quête du métal jaune. L'orpaillage attire, mais la rentabilité reste faible, conséquence d'un secteur mal organisé. Les acteurs en sont conscients. On a plus de 800 sites d'or au Burkina. Si sur chaque site on prélève au moins 50 grammes d'or par jour, ça fait énormément de ressources au profit du pays. La production d'or est importante. Hélas, nous orpailleurs sommes mal organisés. Ils sont alors invités à table pour des concertations aux côtés des cadres du ministère des Mines et des Carrières en vue de structurer le sous-secteur artisanal pour rendre plus performant l'exploitation minière artisanale et semi-mécanisée. Nous savons aujourd'hui, à partir de nos enquêtes, que la production minière artisanale vaut au moins 10 tonnes d'or par an. Nous avons décidé de prendre des mesures d'encadrement, mais également voir comment nous pouvons, moderniser un peu et gagner en productivité. Sur le terrain, l'ANUMAS, l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées, joue la carte de la sensibilisation pour un meilleur impact socio-économique des ressources minières. Plus de 800 sites aurifères pour 10 tonnes d'or contre 13 mines industrielles avec une production d'environ 53 tonnes l'année dernière. Le département des mines vise pour 2019 au moins une production de 60 tonnes d'or. Autre actualité dans ce journal, au Burkina Faso, il existe une politique nationale de protection sociale. Une politique qui peine à donner des résultats dans sa mise en œuvre. L'UNICEF et le secrétariat permanent de protection sociale veulent aider à une appropriation de cette politique pour une mise en œuvre réussie sur le terrain. Un atelier se tient à Ouagadougou à cet effet. Le point avec Vincent Tiendrebego. Renforcer les capacités d'un pool de formateurs en matière de protection sociale, c'est l'objectif de ce séminaire organisé par le secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale à Ouagadougou. Au cours de ce séminaire, 18 formateurs nationaux seront outillés pour assurer à leur tour des sessions de formation des acteurs impliqués dans la protection sociale au Burkina Faso. Et depuis l'élaboration de la politique nationale de protection sociale jusqu'à son adoption en 2012, l'UNICEF a toujours accompagné ce processus. D'autant plus que nous sommes convaincus que c'est par la protection sociale qu'on pourra réduire les vulnérabilités, réduire la pauvreté multidimensionnelle et faire en sorte que tous les enfants et les personnes les plus pauvres et vulnérables puissent avoir des moyens pour pouvoir subvenir à leurs besoins. On va avoir une dizaine de modules. C'est une formation d'un pool. C'est des gens qui avaient déjà été formés. Maintenant, on va approfondir quelques aspects très spécifiques de façon à ce que les participants puissent eux-mêmes devenir des formateurs. Cette initiative du SPCNPS, en collaboration avec l'UNICEF, vise à mieux outiller les formateurs nationaux. Et pour cela, ce séminaire se déroulera en trois phases avec un rappel des modules, des exercices d'assimilation et la préparation pédagogique. Et puis on évoque la mise en place ce 23 mars du nouveau bureau de l'Amicale des anciens étudiants et stagiaires burkinabés d'Algérie. Le bureau se donne le challenge de travailler à faire rayonner les relations entre le Burkina Faso et l'Algérie. Vincent Tiendrebego. Les anciens étudiants et stagiaires d'Algérie du Burkina Faso sont ici réunis en Assemblée générale pour redynamiser leur amicale en vue de contribuer au renforcement de la coopération académique entre les deux pays. Ce faisant, au cours de cette rencontre, un nouveau bureau est mis en place. Un bureau composé de 9 membres et de 2 commissaires aux comptes
qui vont assurer désormais le fonctionnement de l'association. Selon le président de l'Amicale, une nouvelle stratégie va voir le jour afin de planifier les activités de l'association. C'est de travailler à renforcer les rapports et les liens d'amitié entre les membres. Et aussi travailler à apporter notre appui aux étudiants qui sont dans ce pays d'accueil qui est l'Algérie et aussi contribuer à développer la coopération. L'Amicale des anciens étudiants et stagiaires d'Algérie et de Burkina Faso, créée en 1999, est tombée à léthargie depuis 2003. Elle reprend le service pour servir de cadre de rencontre et d'insertion socio-professionnelle pour les différents membres. C'est parti depuis ce jeudi 21 mars pour la seconde édition de Nusondia. Pendant 10 jours, une formation artistique et culturelle au profit d'une cinquantaine d'enfants burkinabés et maliens dans les disciplines telles le langage des signes, la danse et le théâtre. Une initiative de l'association Art au-delà du handicap. Cette année, une part belle est accordée à l'éducation inclusive. Kadour Menki. 73 000 enfants burkinabés vivent avec un handicap. Ces chiffres émanent du recensement général des personnes vivant avec un handicap de 2013. L'insertion socio-professionnelle de cette couche sociale n'est pas toujours chose aisée eu égard aux différents préjugés dont ils sont victimes. Pour positiver le regard de la société à leur égard, l'association Art au-delà du handicap joue sa partition. Elle organise ici, à l'École nationale des enseignants du primaire de Bobo-Dioulasso, un atelier de formation artistique et culturelle. Nous avons aussi essayé de voir comment nous pouvons encore plus toucher la population en allant vers la population pour changer un peu leur façon de regarder sur ces personnes-là. L'éducation inclusive, gage d'un développement soutenu. C'est le thème du présent atelier, un atelier de 10 jours qui réunit 55 enfants, dont 35 en situation de handicap venus du Mali et du Burkina Faso. L'éducation inclusive est l'une des priorités du ministère et cet atelier, en tout cas, pourrait accompagner le ministère à atteindre les objectifs dans ce sens. Il va falloir qu'on trouve un centre digne de ce nom pour qu'il puisse mieux exprimer justement ce qu'il sait faire au profit de ses enfants défavorisés. Créée en 2016, l'association Art au-delà du handicap œuvre pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des personnes vivant avec un handicap. Une lutte qui passe par le renforcement de l'esprit de solidarité et l'entraide mutuelle entre les personnes en situation de handicap. Un festival pour affermir les liens entre les IRC, ce groupe ethnique du Burkina Faso. Ce sont des moments de retrouvailles, mais aussi de communion à l'occasion. Abdourahmane Zongo. Connaître ses origines, ses racines, pour mieux s'orienter et valoriser certains pans identitaires et culturels, c'est le défi premier de cette initiative première de la famille Sana. Notre organisation, on veut que tous les jeunes, qui sont des familles Sana et n'importe quel pays que tu as, vous allez travailler fort à penser à votre pays. On ne devrait pas seulement se focaliser sur la culture des Blancs. C'est une initiative qui permet aux gens de se connaître. C'est quelque chose qui est très culturel et puis c'est beau aussi. Des retrouvailles de la famille Sana de l'intérieur et de la diaspora, marquées par trois grandes séquences, Convergence et Allégeance à Sa Majesté Guigumpolé, le Dima de Tinkodgo, qui prodigue conseils et bénédictions, puis les Sana venus du Togo, du Bénin, de Ouagadougou, de Tinkodgo, de Saint-Cancé, entre autres, entament une procession longue et enthousiaste sur 20 km à Dodan, en véhicule, à moto, avant l'arrivée définitive au village de Malanga-Yassi. Village où réside Nabokolondorum Labasarseka, 10e chef dans la lignée royale de Sana et actuel héritier de leur ancêtre, un arabe qui serait venu de la Mecque en Arabie Saoudite et dans son périple, séjourna à Ouagadougou, Tinkodgo, avant de s'établir pour de bon au village de Malanga-Yassi. Alors, c'est la famille qui était dispersée.
de loin, d'autres ont son côté, d'autres horizons. Donc, par l'organisation de la famille, qu'il faut retrouver que toute personne a une racine. Donc, ça a permis à les gens de se contacter et de se retrouver chez lui aujourd'hui, qui est la base actuelle de la famille. Pas de danse typiquement yassi, défilé aux exhibitions d'âme du métier de tisserand, renchéri par la présence inévitable du lait, autant d'attributs de la famille Sanan sont à découvrir ou à redécouvrir par un public néophyte et initié. Le tombeau de l'ancêtre des Sanan, nous dit-on, sur lequel a poussé un énorme baobab, est devenu un point mythique de recueillement. On aura compris, les Sanan, un groupe en voie de disparition. L'armée israélienne a déclenché lundi de multiples frappes dans la bande de Gaza en représailles au tir d'une roquette qui a fait 7 blessés au nord de Tel Aviv dans la nuit, dans une période hautement volatile, laissant craindre une escalade armée. Regardez. Un crime haineux qui appelle une réponse forte d'Israël. C'est ce que promet Benjamin Netanyahou après la chute d'une roquette au nord de Tel Aviv. Un engin tiré selon l'armée israélienne du sud de la bande de Gaza est rapidement attribué au Hamas. Après avoir parcouru plus de 80 km, la roquette est tombée sur une habitation la nuit dernière, a provoqué un incendie et fait 7 blessés légers. Samedi doit être célébré dans les territoires occupés, le premier anniversaire de la grande marche du retour. Une forte mobilisation et des manifestations de Palestiniens sont attendues. Le Premier ministre israélien, en campagne pour les législatives du 9 avril, a annoncé qu'il allait écourter sa visite aux États-Unis et repartirait pour Israël dès la fin de sa rencontre avec son grand ami Donald Trump. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.